Reste comme t'es, non mais reste comme t'es, c'est bien. C'est quoi? J'ai essayé de te dire. Mais voilà, le jour de l'enterrement, toi. Quel enterrement? T'y étais pas à l'enterrement. J'étais tout seul. Tu m'as laissé tout seul. Tu sais pas. Tu la connais au moins, la femme qui pourrit sous terre, tu la connais? Mais non, tu la connais pas. Tu l'as laissée mourir toute seule. Toute seule. C'est pas elle qui méritait de mourir, c'est toi. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Entraîne tranquille, je suis là, je bouge pas. Oui, enfin alors nourris-toi quand même parce que ça peut prendre du temps cette histoire. T'as bonnet à pole dance attitude. Et vous vouliez pas que je sois plus féminine moi? Je te parlais d'enlever ton bonnet, pas te frotter à une barre. Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Freak, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours. Oh là là là. Mais c'est magnifique. Et l'épée sont de mise avec comme invitée la présidente de l'association Les Fines Lames du Médoc, Isabelle Lucac. Alors l'escrime artistique, c'est une escrime ancienne, mais aussi de spectacle. On la retrouve essentiellement au cinéma, également au théâtre. Au Moyen-Âge, les combattants sont équipés d'épées et d'armures de plus en plus lourdes et complètes. Il ne s'agit plus de grandes armées, mais bien plus souvent de nobles, des chevaliers bien équipés. La passion du kung-fu m'est venue à force de regarder des dessins animés, notamment Dragon Ball, quand j'étais petit. Je suis Benoît Denol, j'ai 26 ans. Je suis professeur d'arts martiaux, de Kung Fu, depuis 3 ans. Niveau sportif, je suis en équipe de France depuis un an.